Vous me partagez ce direct à 1000 partages, j'ai dit tout son nom. Emma, tant, vous allez savoir de qui je veux parler. Mais je pense que pour tous ceux qui ne sont pas bêtes, vous savez déjà de qui je parle. Voilà. Le son est fait, elle donne là, c'est pour toi. Emma, le son là, c'est pour toi. J'ai dit dans un poste, il y a beaucoup de Emma en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de Emma en Afrique de l'Ouest. Mais des bordels comme Emma, Abidjan, ça n'y aura pas beaucoup. Donc, si vous voulez, on fait un jeu donnant-donnant. Vous me faites 1000 partages et moi, je casse le papeau. Quand c'est comme ça, là, on ne discute plus. Vous me faites 1000 partages et je casse le papeau. Il dit tout son nom et toute sa bordellerie avec qui elle a baisé dans le showbiz. Avec qui elle a baisé parmi les footballeurs. Bon, là c'est la canne, hein, donc il n'y a pas trop sali le nom de certains footballeurs, mais ceux qui ne sont pas sélectionnés en tout cas, avec qui elle a baisé et puis ils ne sont pas sélectionnés là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Maintenant, tous les artistes qui l'ont baisé, c'est-à-dire des vieux pères qui sont en haut, jusqu'aux petits artistes, que vous êtes partis à leur concert deux jours là, tous ceux qui l'ont baisé là, je vais vous dire leur nom aujourd'hui. Voilà. Donc, 1000 partages seulement. Si vous êtes garçon, je vous lance le défi. Qu'on en tient pour le sultan, tu n'as pas les couilles, tu es un faux rebelle. Hé, hey, champion, c'est garçon qui est devant toi. Hein? Le morceau est chanté. J'ai dit la gola, tout le monde la connaît. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle donne. Hey! Normalement ou sauvagement, rapidement ou calmement. Proprement ou salement, violemment ou lentement. Hey, si tu n'as rien, fais rien toi. Tes amis travaillent et toi tu fais quoi? Tu veux la plus bonne, faut la mériter. Tu veux qu'elle te donne, ça faut dépenser. Tout ce qui se passe ici reste ici. Tout ce qui se passe ici là, ça reste ici. Je vous dis, vous faites 1000 partages. Emma va prendre cette vidéo, elle va aller enregistrer et déposer sa plainte. Voilà. Prison de ça là. Je suis prêt pour ça. Mais tu ne peux pas passer ta vie à faire la promotion de la bordellerie dans ce pays. Vous n'avez pas d'enfants. Moi et trois filles. Hein. Tant que Emma va continuer à faire publicité des bordels, je serai obligé de faire travailler des bordels. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Je suis obligé de nourrir combien de bordels? Si on veut bien voir, c'est moi qui dois déposer plainte contre toi. C'est moi qui dois déposer plainte contre toi. Puis tu transformes toutes les filles en bordel. Maintenant, elles n'ont pas de travail. Elles sont devenues djantra. Puis tu les as mis d'un faux film. Puis toi, tu es d'un niveau élevé de djanduya. Maintenant, tu as mis les pays dans Ramba. Maintenant, nous autres là, on ne peut pas les laisser mourir de faim. Donc, tant qu'il y aura des bordels de la formation de Emma, je serai obligé de la nourrir. Je serai obligé de leur donner du travail. Et voilà comment Emma me met dans les problèmes. Voilà comment Emma me met dans les problèmes. Il dit, faites-moi 1000 partages. Vous allez voir ce qui est ici, garçon. Emma, bordellerie tu fais là, ça a fini dans le pays là. Toi, tu n'as pas te marier. Tu n'as pas te marier comme tout le monde. N'importe. Vous partagez. Et puis, il y a dit son nom. C'est de toi on parle. C'est de toi on parle. Oui. Emma. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu. Aïe, tu. Boubou. Elle donne. Elle boubou. Normalement ou sauvagement. La bordellerie ne finira jamais dans ce pays-là. Je vous dis, oui, j'attends. Hein. Une fois que les 1000 partages sont là, je commence à casser tous les papos comme je vous ai promis sur ce bordel de Chantra de Emma, hein, qui ose faire la publicité de la puterie et de la bordellerie en Côte d'Ivoire. Les gens qui me disent, non, tu es pour le sultan, tu fais le buzz, enfin, tu essaies de faire du buzz,
pour te faire voir, pour avoir une visibilité, pour te faire aimer. Arafat n'a pas fait ça, Arafat n'était pas comme ci, Arafat n'était pas comme ça. Et Allah, ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, Tiesco, Yessi, c'est-à-dire, dans ce showbiz ivoirien, il n'y a pas l'homme qui est gamé que moi. Affaire de Falio, Yessi est lui. Affaire de PD qui gâte le showbiz, Yessi est vous. Affaire de prostituées, Yessi est... Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Moi, personnellement, là, voyez-moi loupé. Ceux qui aiment ma musique, là, limitez si vous, sur YouTube. Restez là-bas. Ici, là, je me suis dit les bains, c'est pour se dire les fafas, c'est pour passer un peu de temps. Et pour dénoncer les putes. Pour dénoncer les bordels. Ben, nous aussi, on a des enfants. Quand nous, on fait un peu, hein, quand nous, on prend les petits cras, on fait une petite démonstration, les gens disent non. Oh, dépravation de mœurs. Oh, lui, là, il n'est pas bien. Il est... Mais qui me donne ces filles-là? Qui transforme ces filles en putes pour qu'ils les prennent pour les mettre dans mes vidéos et mes clips? Qui? Si ce n'est pas Emma. Donc, eux, ils ont le droit de faire de la dépravation de mœurs. Ça, c'est des pays, ça. Eux, ils peuvent transformer les jeunes filles en djandjou. Maintenant, nous qui récupérons ces produits qui ont été transformés en djandjou, là, c'est nous qu'on condamne. À qui la faute si les filles sont devenues des putes en Côte d'Ivoire? À qui la faute si toutes les filles se prostituent en Côte d'Ivoire? Si ce n'est ces influenceuses à deux balles, il y a une qui a un gros cul qui est installé là-bas, qui ne fait que chien de mari tous les jours à Paris. L'autre, Emma Djandjou, qui est à Paris là-bas. Il y a 5 à 6 habitants en train de passer son temps à se prostituer, à se faire baiser par des footballeurs, à se faire baiser par des artistes, à se faire baiser par des ministres. Et c'est moi on accuse. Et c'est moi on accuse. C'est moi on accuse de dépravation de mœurs. C'est moi on met en prison. C'est dit, moi là, je suis Denis Bob, joué dans le pays d'avoir. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Je suis bien cabri mort. Faites ce que vous voulez de moi. Mais la bordellerie ne va pas prendre le pouvoir dans ce pays. L'homosexualité ne va pas prendre le pouvoir dans le coupé de Calais. Les hommes du coupé de Calais ne peuvent pas devenir des femmes du coupé de Calais tant que moi je vis. C'est de ça on vous parle, vous dites non, ils cherchent buzz, ils cherchent nom. Quel nom je n'ai pas? Qui ne me connaît pas en Côte d'Ivoire? Dites-moi la vérité. Qui ne me connaît pas en Côte d'Ivoire? Je suis plus que connu, je suis une méga star en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus rien à prouver. Mais quand il y a des putes qui foutent le bordel, quand il y a des djandjous qui font rêver nos petites soeurs, je ne peux pas supporter ça. Parce qu'au finish, ces filles, elles sont déjà devenues des putes. Elles sont devenues des prostituées. Donc je suis obligé de leur donner du travail. C'est-à-dire que vous me donnez du travail. À cause de vous, je suis obligé de prendre mon argent, payer des djandjous, payer des putes pour venir faire des vidéos, des clips, les entretenir, etc. etc. Est-ce que ça, là, ça se fait? Alors moi, je parle de ce qui me concerne directement parce que plus Emma va transformer les filles d'Abidjan en putes de luxe, en prostituées, va les blaguer et ces filles-là n'ont pas d'avenir, au fini, ça retombe sur des gens comme nous. Et c'est nous, on est obligé de nourrir les djandjous, que les gens transforment en djandjous. La pauvre petite fille est partie à l'école, elle a eu le malheur de se connecter sur Facebook. Pas voilà Emma, elle son gros cuit transformé. Voilà Emma, elle son gros cuit transformé. Bon, quelqu'un, toi, tu as salon de coiffure. Tu as salon de coiffure. Et puis c'est toi, tu roules tous les jours dans les derniers rangs du Rover. Dans les derniers cris de Mercedes, tu coiffes combien de têtes par jour, Emma? Prends-nous un peu sérieux. Tu vends quoi dans ce pays-là pour avoir autant de millions? Qu'est-ce que tu vends? Si ce n'est pas ton cul, si ce n'est pas ton gros cul rempli de silicone-là, qu'est-ce que toi tu vends dans ce pays-là pour être riche? Film, tu ne tournes plus film. Tu n'as plus le temps de tourner film. Tu préfères la bordellerie que les films. Il a dit, mettez-moi les 1000 partages et parler. Il y a trop de choses à dire. Eh hey Allah. Je dis, c'est moi qui souffre dans le pays là. Moi qui essaie d'aider les prostituées. C'est moi, on prend toujours en tant que coupable.
pendant que les créateurs des prostituées vivent en paix, pendant que les créateurs de l'homosexualité vivent en paix. C'est moi, Tiesco, vous avez vu dans le pays là. C'est ma mort, vous voulez, non? Vous voulez me tuer comme vous avez tué Didier Arafat. Mais Didier Arafat, là, il a fait ce qu'il avait à faire avant de partir. C'est-à-dire qu'il vous a montré tout de A à Z avant de partir. Moi, là, je n'ai même pas encore fini pour moi. Pour moi, ça vient de commencer. Je suis parti en prison. Ils ont piraté tous mes réseaux sociaux. Ils ont piraté tous mes téléphones, tous mes comptes. Mais comme Dieu ne dort pas, j'ai tout refait à zéro pour être un garçon. Je n'ai pas pleuré sur les réseaux pour dire non, partagez les artistes, s'il vous plaît. Ils ont piraté mes comptes, partagez pour qu'ils retrouvent mes abonnés. C'est rentré ici, c'est rentré là-bas. Non, je suis reparti à zéro comme un garçon. Ma mission, si c'est telle, n'est pas finie. Vous allez souffrir. On appelle ça retour à l'envoyeur. Vous avez créé, c'est-à-dire vous êtes en train de créer, vous êtes en train de créer votre propre tombe. Parce que moi, ce que je vous montrer dans Showbiz ivoirien, Néné sans, vous allez me mettre en prison 1000 fois et je ressortirai 1000 fois. Aujourd'hui, là, je n'ai pas encore dit non de quelqu'un. Il y a beaucoup de aimants en Afrique de l'Ouest. Mettez-moi.